Mardi 10 juillet, les Bleus ont affronté la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. Au-delà du succès sportif, cela fait exploser leur prime. Mais, les joueurs ont décidé de ne pas tout garder. Ce sont des sommes très importantes qui sont en jeu pour les Bleus. Grâce à la victoire contre l'Uruguay, chaque joueur va toucher une prime de 150 000 €. Le chèque sera même de 280 000 €, s'ils vont en finale du Mondial. Mais, les joueurs de l'équipe de France, ne vont pas tout garder pour eux. C'est ce que Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, a dévoilé au journal du dimanche. On a créé ça au niveau de l'ensemble du groupe, les joueurs reverseront une partie de leur prime à une association. Une initiative qui aurait bien pu être inspirée par Kylian Mbappé. En effet, le jeune attaquant du PSG va même tout reverser. Il faut dire que ses parents ont insisté selon le président de la FFF. Mbappé va plus loin. Il y a peu, ses parents m'ont dit, Noël, ce n'est pas raisonnable. Qu'il en gagne des sommes folles, il ne faut pas qu'il prenne l'argent. Il est trop jeune, il en a assez. S'il a pris cette option, chacun est libre. Mais les joueurs font beaucoup de choses. Thauvin, par exemple, j'ai appris qu'il allait régulièrement à l'hôpital de Marseille voir des enfants malades. Seulement, il le fait avec beaucoup de discrétion.